Voici un jeu particulier pour la période du temps des fêtes. Et ça, c'est une idée originale de mon ami Steve Meunier que je dois mentionner. Je l'ai baptisé Mon beau sapin. J'aime ça donner des noms au jeu. Alors, Mon beau sapin, c'est simple. Le profil, on doit déterminer une personne par équipe. Donc, ça se joue en équipe encore une fois. Une personne la plus grande ou encore la dame qui a la robe la plus longue. Donc, c'est à vous de déterminer le profil de notre personne qui va jouer le rôle, je dois vous le préciser, du sapin. Alors, on a un sapin et on a des décorateurs ou des petits lutins, comme vous préférez. J'aime bien utiliser des termes qui vont s'approprier là, à la thématique, puisque c'est pour la période du temps des fêtes. Alors, on doit remettre à chacune des équipes des décorations de Noël ou pour un sapin, en fait, des guirlandes, des boules de Noël et toutes sortes de choses qui pourrait servir à décorer un arbre de Noël. Donc, ça demande quand même un certain investissement au niveau des accessoires dans ce cas-ci. Vous demandez peut-être à la personne qui organise la soirée de vous fournir un matériel pour décorer. Et simultanément, au signal de l'animateur, chacune des équipes décore du mieux possible leur sapin, leur beau sapin. Alors, ça peut être une course chronométrée, comme ça peut être aussi un concours ou délimité dans le temps, donc peut-être 2 minutes à chacune des équipes. Et ensuite, par applaudissement, on va déterminer lequel des sapins est le plus beau ou lequel de ces sapins aimeriez-vous voir dans le fond de votre salon. Petite variante aussi, parce qu'on avait parlé au départ d'ajouter des lumières de Noël aussi dans tout ça, dans ce concept-là. Donc, petite variante, si on joue pour le temps, donc chronométré, on pourrait tirer une extension au centre du plancher de danse, ajouter un set de lumières de Noël à cet endroit-là. Et la première équipe qui a terminé d'installer, par exemple, 3 guirlandes, 10 boules de Noël, etc., avec le sapin, s'amène sur le plancher, termine avec les éclairages et va brancher tout ça dans l'extension qui a été tirée à cet effet. Et là, c'est notre équipe gagnante avec un beau sapin illuminé. On peut fermer les lumières pour donner un coup d'œil un peu plus magique à tout ça. Donc, ça s'appelle le jeu Mon beau sapin, un jeu pour le temps des fêtes.